Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'accueillir Yann Dedé et Claire Denis. Merci à tous les deux d'être présents. Donc vous le savez, depuis hier soir, rétrospective des films montés par Yann Dedé, ça va durer jusqu'au 19 mai. Et ce soir, donc, la projection de Dennett et Bonny en 35 mm dans cette salle Georges Franju. Dennett et Bonny, c'est le cinquième long métrage de Claire Denis. Et j'allais dire, c'est sûr. Capable de répondre. Non, c'est vrai. C'était pas une question. Mais c'est surtout le premier et l'unique avec Yann. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Malheureusement. C'est inoubliable. Ouais. Et surtout, c'est le deuxième avec les mêmes acteurs que le précédent. Inès Gorom, voilà. Souris et Grégoire Collin. Ouais. Voilà. C'est un film qui a été tourné début 96, qui sort début 97. Au milieu, il y a le Léopard d'Or au Festival de Locarno. Ouais. Et... Mais peut-être que... Je veux dire Léopard d'Or pour le film, pour Grégoire Collin et pour Valéria. C'était incroyable. Et peut-être c'est ça qui peut-être voilà a décidé de ce film-là, c'était justement les deux acteurs, non? Est-ce que le film... Oui. Alors peut-être, enfin, Yann c'était le frère et la sœur, pas Valéria et Grégoire. Oui. Valéria, Ali Souris c'était et... la boulangère. Non, mais Ali Souris et Grégoire Collin étaient nés dans une des fictions. Dirigé par Pierre Chevalier sur Arte, et j'avais très envie de les retrouver, voilà. C'est ça. C'est comme ça. Et Yann, vous aviez envie de le rencontrer ou vous étiez déjà un peu vu hier soir? On a projeté. On se connaissait depuis hier soir. Voilà, c'est-à-dire depuis le Sweet Movie. Sweet Movie, puisque vous étiez assistante réalisatrice sur. Ouais, enfin, j'étais une simple stagiaire. Je dormais dans le décor. Non, mais. C'était la première, tu n'es pas première actrice, t'es seconde assistante. Non, non, j'étais. Je crois que c'est Louis Daquin qui m'avait. Mais j'étais. Je dormais dans le garage, si tu veux, tu vois. Donc. Mais moi, je savais qui t'étais. Voilà. Ça fait une grosse différence. Non, Sweet Movie, c'était pour moi une expérience presque. Physique et humaine, presque, enfin, comme tous les films. Mais j'avoue que vivre dans la communauté, là, dans le garage, dans le 13e, c'était quand même pas du gâteau tous les jours. Et donc, c'est de ce souvenir-là, enfin, je dirais presque du film monté, que vous avez eu l'idée ou l'envie de travailler avec Yann, ou est-ce que c'est une décision de la production avec laquelle non, vous étiez d'accord? Comment ça s'est passé? Yann avait quand même. Cette aura pour moi, et je pense que on a dû se croiser. Et je t'ai demandé si tu voulais bien quelque chose comme ça, je crois. Oui. Mais bon, j'avais pas besoin, je crois qu'on n'avait pas besoin de nous imposer, Yann. Non, le souvenir, moi, que je garde de Nénette et Bonny, c'est que c'est un film filmé très près. Alors, je sais pas si ça correspond à la réalité, mais j'ai le souvenir de plans très proches. De très gros plans de visage, pas toujours, mais souvent. On est très très près des corps et très très près des visages. Et je me demandais justement si ça, ce type de filmage, ça impliquait certaines situations dans la salle de montage, certaines lois ou certaines. Non ? Est-ce que. Je sais pas, quel souvenir vous gardez de ce montage-là ? Bah, effectivement, très très près de, mais pas forcément, ça veut pas dire forcément des gros plans, hein, mais très très près des corps, très très près des personnes, à tel point qu'on s'est servi de plans qui étaient des essais de lumière faits par Agnès Godard, où Grégoire Collin était juste collé contre un mur, où Agnès avait fait des espèces de persiennes, de stries, et où Grégoire jouait une espèce d'évanouissement à la fin. On s'en est servi immédiatement dans les rêves, tellement c'est ça une des chairs du film, en tout cas. Et c'était très agréable, parce que je me souviens de ce plan-là, mais il y en a d'autres, je pense, qui viennent des essais photos, et qui sont
toute nourriture, tout est bon dans le poulet, comme disait Pierre Lacour. On pouvait vraiment prendre, dès que le film est commencé, penser par Claire et qu'elle tourne des plans avec son opératrice, avec ses acteurs, c'est possible à mettre dans le film, même si ce n'est pas des scènes écrites. J'ai tendance à dire que Grégoire m'avait adopté, mais je l'avais adopté aussi sur ce film fait pour Arte. Et c'était comme... il était comme ouvert au film, comme la patte du film. Alice Souris, la petite sœur, était beaucoup plus... elle avait son idée, l'idée précise de qui elle allait être dans le film. Grégoire, il aime encore aujourd'hui s'abandonner complètement. Donc les essais, le tournage, il n'y a pas une énorme différence au fond. Oui, c'est ça. C'est ouais. Ça qui est très bien. Très du reste, je me souviens que quand Alice, le personnage de sa sœur lui disait qu'il sentait mauvais, que tout sentait mauvais dans la maison et tout, Grégoire, on habitait au même endroit, dans le même hôtel, et je lui disais, il faut que tu te laves quand même, parce que c'est vrai, quoi. C'est un film qui a, comment dire, dont le montage a duré longtemps. Ça a été un montage facile. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même des... Vraiment, enfin, le temps du montage est aussi un vrai temps de réflexion, y compris pour vous, pour prendre des décisions. Oh ouais, enfin, je suivais quand même la présence de Yann, contrairement... Moi, je suis quelqu'un de très angoissé. Je peux dire que la présence de Yann m'a rassurée énormément. Et donc, j'ai eu un sentiment que même tu devais partir avant le mixage parce que tu commençais un autre film. Et je savais qu'il fallait qu'on soit tranquille avec le montage avant que tu partes, quoi. Voilà, non, c'était pour lui, peut-être, c'était pas très joyeux parce que je suis angoissée, mais je crois que moi, ça m'a beaucoup rassurée. Et je voudrais juste dire une chose, quand j'ai vu la bande-annonce, je voulais le dire, enfin, tu t'en souviens, c'était la première fois que je venais de rencontrer les Tindersticks, Stuart Staple, un an avant, au Bataclan, et le thème... C'est le thème d'une de ses chansons, de son premier album qui s'appelle My Sister, et qu'il a démultiplié pour le film. Et il venait nous voir de Londres avec un de ses musiciens, son manager, et ils amenaient tout le matériel dans des valises, persuadés que nous, on avait même, peut-être même rien pour écouter. C'est juste qu'ils n'amenaient pas un téléviseur, mais c'était extraordinaire. Le seul souvenir que j'ai difficile quand même au montage, c'est que le producteur n'aimait pas beaucoup le film. Il était un peu distant, enfin en tout cas, il ne rentrait pas beaucoup dans le film. Et je me souviens de ce plan qu'on a mis. Le plan qu'on a mis longtemps, qui s'est beaucoup baladé, là, les gars qui sortent de la mer et tout ou qu'il soit dans le film, je me souviens, il disait mais quoi, c'est quoi ce truc-là Il y avait quand même une espèce de distance de Ben Ayoun qui était assez étrange. Il ne rentrait pas dans le film, jamais. Voilà. Mais entre nous, là, tu disais que tu étais angoissé. Moi, effectivement, la seule chose problématique, c'est que ton angoisse durait un peu longtemps. Et assez souvent. C'est vrai, quelquefois, on faisait une proposition, on essayait quelque chose. Ouais. Et puis Claire mettait un, deux ou trois jours à dire bon, finalement, on va regarder comme ça. Ou non, finalement, on va faire autre chose. Non, mais c'est pas un défaut. Hein. C'est juste que moi, je suis plutôt hystérique, donc j'allais plus vite. Mais. À faire des bêtises aussi, donc c'est mieux de réfléchir un peu. Non, mais je crois que c'était formidable parce que ma lenteur pouvait se reposer un peu sur toi, parce que quand on est lent et qu'on a plus, on n'a pas confiance, ça devient une tragédie, mais quand on s'autorise la lenteur parce que tu étais là, c'est confortable, voilà, je crois. Ce qui avait compté aussi pour moi, c'est que tu aimais beaucoup Grégoire et Alice. Oui. Moi, ça m'enchantait, quoi. Parce que si tu les avais pas aimés, j'aurais été effondrée. Et aussi, dès que Stuart Staple, dès qu'on a entendu la première note de musique, tu as été content. Et pour moi, ça comptait aussi beaucoup. Ouais. Oui, c'est drôle, ça s'intégrait assez par magie. C'était vraiment extraordinaire parce que la première fois, je dois dire que tu dis que j'étais assez content tout de suite, mais la première écoute sur le circuit de voiture, j'étais un peu perplexe. Je me disais,
c'est quoi, c'est du larve du cochon, etc., sans savoir exactement quand, avec quel moyen intellectuel juger ça. Oui. Et puis en fait, on s'aperçoit assez souvent dans tes films d'ailleurs, c'est pas les moyens intellectuels qui jugent, mais c'est la proximité des masses, des sons, des, ouais, des corps, ouais, et tout ça. Voilà. Je crois que Stuart, il a, à force de dire qu'il n'y connaît rien, qu'il n'est pas musicien, qu'il ne connaît rien au cinéma, il a une sensibilité justement des masses et des formes et tout ça, qui fait que chaque fois, enfin, je travaille avec lui depuis, et toujours, ça tombe, le film l'attendait, comme si quelque chose était déjà presque préécrit. Voilà. Et je voudrais dire une dernière, oui, chose. Ce scénario, j'ai travaillé avec Jean-Paul, qui est marseillais, Farjo, Jean-Paul Farjo. Et il est la maison dans laquelle habite Grégoire et la rue, tout ces, ce quartier du 14e à Marseille, c'était l'arrondissement où habitait Jean-Paul, dans une de ses petites maisons qui est derrière la Joliette. Et donc, c'était comme tourner d'une certaine manière chez nous. C'était un peu chez moi aussi, parce que si je me souviens bien, ton stagiaire à la mise en scène, c'était mon petit frère. Exactement. Exactement. Qui est producteur après, carrément. Et qui s'est installé définitivement. Enfin, il n'était pas loin. Il y est toujours, il y est toujours. Mais, voilà. Il était plus que stagiaire quand même, oui. Oui, mais je pense qu'il était second assistant. Ouais, ouais, ouais. Je vous lis un petit extrait, Yann Dedet avec Julien Soudou. Il y a eu un livre d'entretien qui s'appelle Le Spectateur Zéro. Voilà. Et il y a un passage, évidemment, il y a plusieurs pages sur Nénette et Bonnie. Il y a un passage que j'aime beaucoup, je vous le lis, vous me direz si vous êtes d'accord. D'accord. Elle, alors c'est vous, elle me met en position d'attente alors que ce sont les autres. Elle se met en position d'attente alors que ce sont les autres qui attendent d'en savoir plus, parce qu'elle se refuse à prononcer les mots fatidiques qui fixerait un cap, un seul. Il faut que les choses restent toujours ouvertes. Nommer, ce serait fatalement perdre des possibilités dans lesquelles elle sait ses collaborateurs capables de s'engouffrer. C'est au montage que la douleur est la plus grande pour elle, car c'est le moment où on entérine, où on achève. Chaque décision de coupe prend un temps fou. La question « est-ce que j'ai fait le bon choix ?» la taraude jusqu'au dernier jour du mixage. Ah oui, bien sûr, c'est vrai. Et j'ai pas changé. Et peut-être même la vieillesse me rend pire. Mais je crois que c'est aussi comme ça que je suis dans la vie. C'est-à-dire que je déteste fermer les portes. Je déteste être coincée. Et c'est formidable de justement de que les autres supportent mon vacillement. Voilà, ça, je trouve ça formidable. Et ça me... Et je crois que je tourne comme ça aussi, quoi. Il y a quelque chose... En fait, je n'aime que les acteurs, en gros. Non, mais... C'est-à-dire, c'est eux qui donnent des réponses pour moi, ou les actrices, je veux dire, mais... Et donc, avoir une idée... Je peux avoir des idées au moment du scénario, mais elles sont à la merci des comédiens, c'est sûr. Ouais. Ouais, je dois dire ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Ouais. Les conditions sont réunies pour que la production ait lieu. Alors. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.